Salut à tous, c'est Marc Ledoux, on se retrouve pour ce deuxième épisode où je continue dans ma carrière et je suis arrivé à mi-chemin et il me propose de réparer mon véhicule. Malheureusement, réparer le véhicule, ça coûte du temps. On peut voir les recommandations de l'équipe. Ok, bah, finalement, il ne demande pas grand-chose. Alright, button. Voilà. Bon. Voilà. On peut réparer le véhicule à mi-chemin de la compétition, mais ça coûte du temps. Donc faut compenser avec le skill, ce qui n'est pas encore mon niveau, mon truc. Allez, je me remets dans ma course. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ne prends pas de raccourci. Premier virage me fait peur. Hein. Oh là là, c'est quoi cette route? Oh, je dois faire des têtes des fois. Je me fais peur. Non, il y a moyen que chose du vert. Allez, allez. Un petit chrono dans le vert, Ludo. Oh oui. Ah, le virage. Tellement content d'être dans le vert, là. Que j'ai fait me foutre en l'air. Eh, j'ai réussi, déjà. Je suis content. Mais c'est vraiment pas évident. Projection d'eau. Oh là, cette route. Mon dieu. Je vais la ruiner, la mini. Oh là, je me rouche. J'aurais réussi une fois dans le verre. Franchement, c'est une victoire. J'ai l'impression de pas être trop mal encore. Ouais, il faut que je la ferme. Je crois que je suis pas trop mal, je fais de la merde. Allez. Marche en carrière, non, il est encore là, ça va. Oh, ça a du mal à monter, hein. Oh lolo. Je suis ravi d'avoir un jeu super beau. Oula, 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 oula. Il y a un petit écran gris là, j'ai percuté sévère. Et ça passe. Et on peut apercevoir la voiture abîmée, la poussière et tout. C'est plutôt bien fait. Je suis encore troisième. Donc je reste sur ma lignée. Et je
creuse l'écart avec le quatrième, ce qui est pas trop mal. Si je finis sur le podium pour une première, franchement, ce sera bien. Et on arrive donc sur la dernière épreuve des championnats Open. Donc après, je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'on va augmenter son équipe, racheter d'autres voitures pour refaire les mêmes championnats? Aucune idée, on verra. On verra ça au fur et à mesure. Allez, on essaie de refaire un petit chrono vert là. Ça me fait kiffer, moi, ça. J'ai beaucoup freiné, mais je me voyais vraiment aller dans le mur. Oh, le caillou! Oh là là, ouais. Ça va pas être terrible, je crois. Ouais, j'aurais pas fait un bon chrono. En fait, la troisième place, ce serait vraiment mon niveau si je me démerde pas trop mal. On va partir les cailloux, sérieux là. Ah, je serai pas encore dans le vert. Oh là là. Par contre, c'est les spectateurs sur le côté. Ils sont vraiment dégueulasses. Ça manque un peu de polygone. Ah, les fois, les armes, on voit rien, c'est chaud. Ça me gratte le nez. Comment ça se passe quand ça leur gratte leur pif, le pilote? C'est le copilote qui gratte? Trop mal. Ah, j'ai voulu aller trop vite. Voilà. Finalement, j'ai perdu du temps. Mais je suis pas dans le fossé, je limite les dégâts. Parce que, du coup, je l'ai pas montré. Mais si vous ratez, si vous êtes dans le fossé et que votre voiture peut encore rouler, vous pouvez faire revenir sur la piste. Ça peut coûter entre 13 à 15 secondes de pénalité. Ce qui est énorme. Énorme, vraiment. Mais je vais pas le faire pour votre plaisir. Ce sera peut-être naturellement. Au niveau bruitage aussi, je trouve le jeu très très bon au niveau des bruitages. Sur arrivée.
C'est marrant, sur arrivé, la voix change. Eh ben, je suis pas mécontent, ma foi. Parce que je me connais, je sais que j'adore les jeux de rallye, mais c'est pas non plus mon fort. Et je finis 3ème. 1 minute 21. Bon, par contre, récompense totale. Alors, on finit 3ème, donc 30 000. Le bonus de récompense, 6002. Moins 2026 de repas. D'accord. Alerte chef d'équipe, alerte ingénieur, alerte amélioration. Ok. On va améliorer le véhicule. Ok. Ok, ok. Et bah, je vais arrêter là. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la suite du championnat. Et si on a le choix sur d'autres bagnoles, je refais un petit truc. C'est à vous de choisir. Allez, à la prochaine.